Il est difficile de se remettre d'une enfance malheureuse, alors que l'enfance est le bonheur d'un foyer. Mais malheureusement, certains enfants ne sont pas bénéficiaires de ce grand bonheur. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Regard sur l'enfant. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux enfants qui vivent dans la commune de Ngaliema. Certains sont des casseurs de pierre et d'autres sont de pêcheurs. Nous allons les écouter et savoir quelles sont leurs difficultés ou encore le problème qu'ils rencontrent chaque jour. C'est tout de suite. Écouter et savoir quels sont leurs problèmes ou encore les difficultés qu'ils rencontrent. C'est parti. Comment on a 11 ans. Mais c'est
problème, il y a beaucoup d'amour sur Peut-être pour que les affaires et quatre années, on va au passé les affaires.
Après ce qui est au qui est De travaux lourds, vous les avez vus et écoutés. Alors que l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant dit que l'enfant doit être protégé contre tout travail mettant en danger d'abord sa santé, son épanouissement, son développement et aussi son éducation. La question reste à savoir comment ils font entre l'école et les travaux qu'ils sont en train de faire dans ces milieux en fait. C'est vraiment compliqué. Ils doivent équilibrer les études et aussi les travaux qu'ils font. Ils les font, c'est pour se nourrir, se prendre en charge, mais aussi aider leur famille. Certains sont des orphelins, ils n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans ces genres de situations. Fidèles téléspectateurs, comme toujours, on vous démontre et vous écoutez aussi la vie et la situation de ces enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine.